Mon père est décédé il y a 11 ans. Ses parents étaient déjà décédés avant lui. Il a laissé une épouse et 5 enfants, 4 garçons et une fille. Mon tout grand frère est décédé un an après lui. Donc nous sommes depuis 4 enfants, 3 garçons et une fille. Ma mère, mon père, Allah yarhamou, avait quelques terrains au Maroc. Nous demandons comment on devait. C'est très simple. C'est très simple. Le gars, il dit, son père est décédé, il a laissé 4 garçons, une fille et une épouse. Il y a un garçon qui est mort après son père. Donc ce garçon, il hérite ou pas? Naam, il hérite. Ce garçon qui est mort après son père, il va hériter. Sa part, elle va être partagée, elle va être donnée à ses héritiers. On reprend du début. Il a laissé une épouse, 4 garçons, c'est ça, et une fille, ça. L'épouse, elle prend combien ici? Elle prend un huitième, parce qu'il y a des enfants. Le reste, il est partagé entre les garçons, un garçon et les filles. Imaginons qu'il a laissé 10 000 euros. Cette personne a laissé 10 000 euros. Comment on partage? On partage en 9 parts. 9 parts, ouais, c'est ça? Donc chaque garçon, il prend 2 200 euros et la fille, elle prend 1 100 euros. La personne qui est décédée, on prend les 2 200, on la donne à ses héritiers, à ses enfants, à part égale. D'accord? 2 200, par exemple, il a un enfant, il a un garçon et une fille, à part égale, on divise par deux. Vous me suivez, les frères, hein? Ok. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, hein? C'est pas très difficile. Donc il hérite parce qu'il est mort après son père, et sa part, on la donne à ses enfants, enfin à ses héritiers. Ah, et s'il n'a pas des enfants, c'est qui hérite? C'est ses frères. La part, elle revient aux frères et sœurs. Donc on prend sa part. S'il n'a pas d'enfant, il est seul, par exemple, il est mort, on prend sa part, les 2 200, on les partage entre les frères et la sœur. La sœur, une demi-part, et les frères, une part. Vous savez combien de cas où la femme, elle touche moins que l'homme, la moitié que l'homme, combien de cas fait l'islam? 4 cas, barakallahu fik, 4 cas. Tous les autres cas, soit la femme, elle touche plus, soit l'homme, il touche pas. Soit elle touche plus, soit elle touche la même chose. 4 cas. Des enfants, petits-enfants, frères et sœurs, et frères de père. Voilà. C'est les cas où l'homme, il touche le double de la femme. On détaillera une autre fois, Inch'Allah.